Thank you for the opportunity. I think you made a very good point in your speech. Profe, l'AGEIZ, and Profe, supported by the Ministry of Economic Development and Cooperation, German Ministry, is very extremely pleased to be in the position to support you with donating the equipment. I think the equipment is only one piece and one essential input for supporting the virtual university in the times that COVID made us alternate our approach to the education and to the work in total. The bottom line is this is only one piece, but the competence and capacities to utilize the equipment properly is even more important, which I believe is critical, and GIZ and Profair are determined to support you further in developing the and utilizing the knowledge and competence in order to, let's say, efficiently utilize the equipment and sensibilize more students to participate in your journey. And what you're doing, supported by the Ministry of Higher Education and Research, I believe is extremely important. You're following the mainstream trends all over the world by supplying the virtual possibilities to students to virtually participate in education, which gives them the opportunity also to work and study, to study the more, let's say, not only the renewable energy and energy efficiency, but also the digital technology, to learn about digital technology and to basically, at the end of the day, improve their employability and the possibility to find appropriate jobs. Yeah. And I think at the end of the day, it's really about creating more efficient jobs and giving the young people the opportunity to work in this country. So I think what you're doing with our modest support, I think, has long-term impact on the economy of Cote d'Ivoire and possibility of young people to join the market, to enter the market, better equipped than before. So thank you very much. Je suis très heureux. Je suis un DG comblé parce que ça va, ça a été dit en anglais, mais je pense que nous comprenons tous le minimum en anglais. La représentante du projet a dit que c'est vrai, on a reçu des équipements. C'est déjà une grande satisfaction pour nous. Mais elle a ajouté que ce qui est important, en plus de ça, c'est renforcer nos capacités pour qu'on puisse tirer le meilleur profit de ces équipements. Ça signifie que cette collaboration que nous avons ou cet accompagnement que l'Allemagne fait à travers le GIZ, à travers le projet Profair, va continuer avec nos renforcements de capacités, cette fois-ci, sauf que cela c'est des capacités hard avec du matériel, mais il va falloir, ils vont nous accompagner en tout cas à développer des compétences, certainement des formations, la technicité, pour que ce rôle que nous sommes en train de jouer soit un bon catalyseur pour le système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et même de la sous-région, puisque le projet Profair a une dimension sous-régionale ou régionale. Et je voudrais profiter de l'interview aussi pour dire que comme il y a un aspect régional, il faut dire que la Côte d'Ivoire est membre du WACREN à travers le réseau RITER, dont le coordonnateur est le DSI. Mais l'université virtuelle en tant qu'université aussi est depuis un moment membre, à titre un peu, je peux dire, membre honoraire, n'est-ce pas, de ce réseau. Et nous avons l'habitude de travailler à ce réseau et nous allons accueillir au mois d'avril, du 27 au 29 avril, la conférence internationale du WACREN qui va être aussi un cadre de regroupement des différents acteurs de la sous-région. Et nous voudrons vraiment solennellement inviter le GIZ, la coopération allemande à travers ne serait-ce que le projet Profair, pour que nous puissions organiser, en tout cas que ça soit une tribune, pour que le projet puisse être disséminé à travers la sous-région. En tout cas, nous sommes très très contents
Nous n'avons que des mots de remerciement. Et nous nous félicitons aussi du fait que nous avons l'appui institutionnel de notre ministère. Parce que très souvent, les structures peuvent avoir des projets à des universités et la tutelle n'est pas bien engagée. Mais vous avez vu que malgré le fait qu'il y avait beaucoup de contraintes, le directeur général a tenu à être présent, le directeur du centre de calcul, le DSI, tout le monde a fait l'effort de venir soutenir vraiment promptement ce projet. Je pense que c'est quelque chose qui nous réjouit beaucoup. Ça signifie que nous travaillons vraiment en bonne synergie avec nos tutelles. Merci beaucoup. Alors, je l'ai plus ou moins dit, hein, le projet PROFER, je le connais depuis le départ. Et l'un des aspects, justement, de ce projet-là, c'est la mise en œuvre de ressources numériques. Et tout le monde sait que l'université virtuelle est notre cheval de Troie en la matière. Et il va sans dire que cette université, cela a été dit, a besoin d'équipement. Et ce n'est pas toujours aussi évident parce que ça se fait avec une certaine célérité. On a beaucoup de projets qui traînent depuis souvent de longues années avant qu'on ait de façon palpable les retombées. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, c'est allé très vite parce que je vous assure que j'ai commencé à parler du projet pour faire, ça fait à peine un an. Et ce matériel qui est arrivé et qui est vraiment important, nous espérons et nous souhaitons et nous faisons pleinement confiance au directeur général de l'UVCI que ce matériel-là sera utilisé à bon escient. Il l'a promis. Il nous a même dit que peut-être dès aujourd'hui, il va commencer à l'utiliser parce que le besoin est là.